Grève SNCF et réforme de la sécurité sociale, gouvernement et syndicats se parlent, mais les discussions sont délicates. Bosnie, le sort des pilotes français, le gouvernement menace de frapper ceux qui les retiennent prisonniers. Deux victoires en une semaine pour le skieur français Luc Alphand, vainqueur aujourd'hui de la descente de Val d'Isère, il sera tout à l'heure notre invité. Le bonheur est dans le pré, c'est le film réalisé par Étienne Châtillès qui nous rend le sourire, on en a besoin en ce moment, invité ce soir, Michel Serrault. Madame, Monsieur, bonsoir. Syndicats, gouvernement, la discussion reste engagée ce soir, mais difficile. Que ce soit à la SNCF ou sur la réforme de la sécurité sociale, sur la réforme de la Sécu exactement, le ministre, Monsieur Jacques Barrot, a reçu aujourd'hui l'ensemble des syndicats. Pour deux d'entre eux, CGT, Force ouvrière, la discussion doit monter d'un cran. Ils veulent toujours traiter au niveau du Premier ministre. Agnès Molinier, Éric Georgeon. Ces fauteuils sont des fauteuils de notaire. Pas de très bonne humeur, Marc Blondel, cet après-midi. Mais il est quand même resté plus d'une heure avec le ministre du Travail pour répéter son exigence. Je réaffirme une nouvelle fois la nécessité d'avoir une négociation, l'ensemble des organisations syndicales et le patronat, avec le Premier ministre, de manière à examiner ensemble, globalement, ce qu'il faut faire pour sortir de l'état de crise. Même demande de la part de Louis Vianney pour la CGT. Il s'est déplacé en personne pour rappeler que mardi, les syndicats appelaient encore à manifester. La journée de mardi, qui s'annonce d'ores et déjà comme devant être un temps fort encore plus impressionnant que ce qu'on a connu tous ces derniers jours, confirmera qu'il n'y a pas d'autre issue possible que l'ouverture de négociations traitant de tous les problèmes en même temps. Ce matin, Jacques Barrot a reçu la CFDT, la CGC et la CFTC. Plutôt favorables au plan Juppé, elles appellent, elles aussi, au dialogue. Ma conviction, c'est que la majorité des partenaires sociaux, la grande majorité, admet la nécessité d'une adaptation de notre sécurité sociale dès lors qu'elle se fait dans le respect des principes fondateurs. Le ministre du Travail est venu tout à l'heure à Matignon raconter au Premier ministre que c'est avec lui que les syndicats veulent négocier. En partant, il n'a pas dit si Alain Juppé acceptait. Agnès Molinier, il y a bien sûr dans ce type de discussion, de négociation, peu importe les mots, il y a ce qui se dit officiellement, il y a ce qui se fait à l'intérieur. Quel est votre sentiment ce soir? Écoutez, en tout cas ici, Daniel, ce que je viens d'entendre à l'hôtel Matignon, c'est une phrase. La porte est ouverte. On ne sait toujours pas quand, même si Alain Juppé recevra ou non les syndicats qui disent donc ce soir vouloir négocier avec lui de tous les problèmes sociaux qui se posent actuellement. Ce qu'il faut aussi entendre ce soir, c'est que ni Marc Blondel, ni Louis Vianney, qui constituent jusqu'à présent le front du refus, ne posent comme préalable aux négociations le retrait du plan Juppé. Bien, alors Agnès, autre chose, est-ce que d'autres discussions sont prévues pour demain déjà? Pour demain, je ne sais pas, il faudra voir du côté des cheminots, mais je crois que nous allons le voir tout à l'heure. En tout cas, d'autres négociations sont prévues beaucoup plus larges, avec Franck Borotra la semaine prochaine, concernant le service public. C'était un petit peu la tactique annoncée la semaine dernière par le gouvernement, ouvrir des discussions sur tous les fronts. Et il faut savoir quand même que mardi prochain sera encore une nouvelle journée d'action, de manifestation, à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Les syndicats donc restent quand même mobilisés ce soir. Merci Agnès Molinier. Vous parliez à l'instant de la SNCF. Alors là, on est sur la corde raide ce soir. Le médiateur, M. Matteoli, a vu aujourd'hui ses pouvoirs étendus non seulement au problème du contrat de plan de la SNCF, mais aussi aux retraites. Il n'empêche donc que ce soir, si le fil des discussions n'est pas rompu, tous les syndicats, y compris la CFDT et la CFTC, appellent à la poursuite du mouvement de grève. Elisabeth Esley, Patrick Desmulliez. Après une heure et demie de discussion, les syndicats de cheminots quittent le médiateur. C'est la déception. Par rapport à l'évolution du dossier et la réunion d'hier, je crois qu'il y a eu un pas en avant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fait un pas et demi en arrière. Concernant le contrat de plan, d'ores et déjà, la décision a été prise de reporter de 8 jours. Ça ne nous convient pas. Il nous faut un retrait du contrat de plan État-SNCF, une remise à plat complète qui nécessite plusieurs mois de débat public dans ce pays. Nous ne l'avons pas. Il y a donc aucun motif. Nous allons informer les cheminots. Il n'y a aucun motif pour que l'action perde de l'ampleur. Bien au contraire. Le contrat de plan n'a pas été le seul sujet abordé aujourd'hui, puisque Jean Matteoli vient d'hériter d'un autre dossier, celui des retraites à la SNCF.
Là aussi, les syndicats ont leurs exigences. Nous lui avons demandé d'élargir ce dossier sur l'ensemble de la protection sociale et de permettre une médiation avec M. Barrot, ministre du Travail. Ce soir, aucun rendez-vous ferme n'a été pris. Il n'y a pas rupture, mais certains parlent de blocage. Malgré tout, il se peut que dès lundi, médiateurs et syndicats se rencontrent à nouveau si le gouvernement a quelque chose d'autre à proposer. Sur le terrain maintenant, les cheminots restent mobilisés dans l'ensemble. Aucun train n'a circulé aujourd'hui en France. Reportage dans un important centre ferroviaire au Mans, dans la Sarthe. Jacques Cardoz, Nathalie Gallet. Toujours le même rendez-vous, toujours les mêmes revendications, sécurité sociale et contrat de plan. Cette manifestation devait être comme toutes les autres, et pourtant aujourd'hui au Mans, le ton a changé. Une tonne d'ordures ménagères devant la préfecture, voilà comment les 6000 manifestants ont voulu exprimer leur mécontentement au moment même où des négociations sont en cours à Paris entre les syndicats et le médiateur Jean Matteoli. On pouvait le nommer sous 2 ou 3 jours, le médiateur. Quand on veut au chemin de fer, on peut faire avancer les choses. Ça dépend dans quel sens de la barrière on se trouve. Qu'est-ce que vous attendez du médiateur ? Le médiateur, ce qu'on attend surtout, c'est qu'on retire le contrat de plan et qu'on n'en entende plus parler. Si c'est pour repousser ça dans 2-3 mois, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il a des propositions ? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc on attend, on est dans l'expectative. Donc selon ce qu'il nous dira, selon ce que Juppé lui ordonnera de faire, eh ben, nous, à la base, on décidera si on continue le mouvement ou si il y a vraiment une avancée pour les cheminots et puis pour tout le monde. Et s'ils n'obtenaient pas de réponse à leurs questions, les cheminots du Mans ont promis d'autres actions similaires. Ce soir, les représentants syndicaux restaient à l'écoute de la concertation sur le contrat de plan SNCF, en espérant un jour ne plus avoir à regarder ce feu qui brûle depuis 2 semaines. À la RATP à Paris, dans la région parisienne, quelques autobus ont circulé aujourd'hui, 7% du trafic environ, mais toujours pas de métro ni de RER. Arrêt de travail également des transports en commun de plusieurs villes de province. Dans un conflit parallèle portant principalement sur des problèmes de salaire qui concernent les houillères de Lorraine, une première réunion ce matin à Merlebach s'était terminée sur un constat d'échec. La discussion a repris très difficilement cet après-midi au siège des Charbonnages de France à Rueil, près de Paris. Eve Mettet, Jean-Louis Kerek. De Merlebach en Lorraine, à Rueil-Malmaison, en région parisienne, les négociations entre les mineurs des houillères et leur direction se sont déplacées cet après-midi au siège de l'entreprise. Un nouveau décor, 500 km plus loin, mais des discussions qui, elles, n'ont pas avancé. C'est un dialogue de sourds. Si effectivement le président ne change pas son discours, nous pouvons craindre que les mineurs, lundi, répondront comme ils ont su y répondre depuis 2 jours. Vous allez avoir une corporation qui va se bloquer autour, qui va se regrouper autour des mineurs. Vous allez avoir une région qui va se regrouper autour et ce ne sera plus une situation normale. On va rentrer pratiquement dans un état insurrectionnel. Ce matin, le préfet de Moselle avait proposé un jour de repos supplémentaire cette année et l'équivalent de 2000 francs par mineur sous forme de mesures pour les transports et l'accession au logement. Des mesures jugées insuffisantes par les syndicats, les discussions se poursuivent en ce moment. Pour ne rien oublier, autre événement politique de la journée, le président de la République, M. Chirac, a reçu M. Raymond Barre. Officiellement, c'était pour terminer ses rencontres avec les principaux leaders politiques français sur la réforme des institutions européennes. C'était cet après-midi à l'Élysée. Le Premier ministre est revenu aujourd'hui de Bordeaux. Il a rencontré cet après-midi le ministre des Affaires sociales, M. Barrot, le président du Sénat, M. Monory, et il s'est rendu à l'Assemblée nationale pour rencontrer son président, M. Philippe Seguin. Thème de la discussion, l'éventualité d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution qui permettrait de faire adopter sans discussion parlementaire les ordonnances portant notamment sur la création du RDS, la cotisation de remboursement de la dette sociale. En effet, l'opposition, il faut le savoir, a déposé près de 5000 amendements. Conséquence de la grève sur l'activité industrielle et commerciale en France. À Paris, les commerçants, les grands magasins sont particulièrement gênés par la grève des transports en commun. En province, comme à Lille par exemple, c'est plutôt l'atmosphère actuelle qui n'encourage pas aux achats de Noël. Anne Mourgue, Dominique Mas. Malgré le petit air d'accordéon, malgré les illuminations et le marché de Noël, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Les passants sont inquiets, les commerçants plutôt moroses. Au cœur de Lille, la plus grande librairie d'Europe. Depuis le début des grèves, le chiffre d'affaires a chuté de 15%.
Pour tenter de rattraper, le magasin sera ouvert un dimanche de plus, sans beaucoup d'illusions. Ce qui est perdu est perdu. Et les moins 15% que nous avons enregistrés depuis le début du mois de décembre liés aux événements sont difficilement rattrapables. Les clients sont moins nombreux, surtout ils dépensent moins. L'heure est plus à l'épargne qu'à la consommation. On préfère plutôt ne pas trop dépenser en faisant attention à ce qu'on dépense. Bien dépenser dans des jouets de qualité. Ça nous incite à être raisonnable sur les gros achats. Je pense par exemple pour une voiture, on attend. Les rues piétonnes sont toujours aussi fréquentées, mais les magasins sont vides. Certains annoncent des chiffres d'affaires en baisse de 50%. Une exception, cette agence de voyage. Avec ses vols directs de Lille jusqu'aux Antilles, les réservations sont complètes. Il y a une volonté des gens du Nord, du Pas-de-Calais, d'aller retrouver le soleil l'hiver. Hein. Certains n'iront pas au bout du monde, mais ils ont déjà Noël sur la tête. Sans donner d'explication précise sur le sens du mot, la France menace de frapper les Serbes de Bosnie si elle n'obtient pas d'ici demain dimanche des informations précises sur le sort de ces deux pilotes abattus au cours d'une mission. C'était au mois d'août dernier. Les partenaires de la France, réunis à Londres, soutiennent la position du gouvernement français. Bernard Lebrun, à Londres. Attendu, très attendu. Le ministre français des Affaires étrangères a incontestablement volé la vedette à son collègue britannique. La question des deux pilotes français, le capitaine Frédéric Chiffaut et le lieutenant José Souvigné, disparus depuis 101 jours, aura été le centre d'intérêt principal de cette conférence de paix. Parce que justement, la France, dans sa détermination, laisse planer le doute sur la nature des possibles conséquences en cas de refus d'obtempérer des Serbes de Bosnie. Je vais vous dire. Il s'agit de la vie et du destin de deux officiers français. Nous avons fixé un délai. Bien sûr, nous nous y tiendrons. Mais jusqu'au dernier moment, nous sommes prêts à faire en sorte que ces deux pilotes soient de retour. J'ai lu quelque part les mots ultimatum. Bon, voilà, quand on est dans des sites. Le mot ultimatum a des situations, des significations extrêmement précises. Alors on dit à 0h32. Nous ne sommes pas dans cette situation. Nous avons dit quel était le calendrier. Nous avons dit à qui de droit ce que nous ferions. Et désormais, sachez que nous travaillons d'arrache-pied, comme nous n'avons cessé de le faire. Il semble ce soir que le gouvernement français exige au minimum, d'ici demain minuit, trois choses très précises. Des informations, des preuves et une date. La question de la libération des deux pilotes français peut-elle remettre en cause, oui ou non, la signature française des accords de paix? Réponse, demain, dimanche. Et à l'instant même, le vice-président des Serbes de Bosnie, qui se trouve à Londres, où se trouve également M. de Charette, vient d'indiquer que des nouvelles des pilotes seraient sans doute données demain, dimanche. À Rouen, c'est dans la nuit que l'on connaîtra le verdict du procès du cargo MC Ruby. Le procureur de la République de Rouen a requis contre les 8 accusés une peine de prison à perpétuité. Il n'a pas voulu faire le distinguo entre ceux qui ont jeté à la mer les passagers clandestins et ceux qui ont laisser faire, entre les exécutants donc et les officiers du navire. Agnès Varamian, Guillaume Fautra. À la barre, dans un dernier mot, les accusés ont tous regretté ce qui s'était passé. Tous, sauf un, Romachenko, celui qui a tué. Par plaisir, dira le procureur. Je suis coupable, oui, mais pas responsable, lui répondra Romachenko en français. Les avocats de trois des marins ont plaidé l'obéissance totale à la hiérarchie, décrivant des hommes soumis, par leur culture de marins soviétiques, par la précarité de leur emploi, enfin par leur vie dans un univers clos, le MC Ruby. Une soumission aveugle jusqu'à tuer. Dans l'excès de l'obéissance, vous commettez des actes qui demain vous feraient horreur à vous-même. Vous ne savez pas quel est le potentiel qui est en vous. Il faut des circonstances exceptionnelles pour voir ce que l'on peut commettre de noir. Mais on ne se rend compte d'avoir commis cette horreur qu'après. Alors là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, vous en avez qui mentent pour échapper à leurs habiletés. Ils ont le droit. Vous en avez qui essaient de tergiverser, ils en ont le droit. Et puis vous en avez qui s'écroulent. Comme Mikhaïevski, rongé par le remords, renié par sa femme qui lui écrit « S'il te reste quelque chose d'humain, alors tourne-toi vers Dieu ». Les marins plaident la clémence quand le commandant demande l'acquittement. Le commandant Unitsky
a demandé l'acquittement à la tête haute. Il reconnaît une responsabilité morale, mais ça n'est pas reconnaître une complicité criminelle. Pour lui, comme pour tous les autres, le procureur a demandé la réclusion à perpétuité. La même peine pour tous au nom d'une justice exemplaire, cela n'aurait pas de sens, ont dit les avocats. Rendre la justice, c'est être plus besogneux, c'est décortiquer chaque fait, chaque personnalité. Pour cela, la cour d'assises doit répondre à 810 questions. Les jurés délibèrent déjà depuis 8 heures et le verdict n'est pas attendu avant 1 à 2 heures du matin. L'actualité internationale, l'élection du nouveau président polonais, M. Krasniewski, est officiellement validée par la Cour suprême polonaise. Les résultats étaient contestés, vous le savez, par les partisans du candidat battu, l'ex-président Waleza. M. Krasniewski ayant menti sur son passé universitaire et la nature de ses diplômes. Les Russes éliront à la fin de la semaine prochaine leurs députés. Parmi les candidats, un homme qui pourrait être ensuite un des plus farouches concurrents de M. Eltsine à la présidence. Il s'agit du général Lebed, un homme fort, recherché par beaucoup de Russes sans passé politique et qui veut rendre sa fierté à la Russie. Dominique Derda, Michel Levasseur à Moscou. Une fois encore, il repart en campagne et sa mère a bien du mal à retenir ses larmes. Voilà le genre d'image qui plaît à la Russie, celle d'un fils qui n'oublie pas les siens, celle d'un soldat couvert de gloire qui, après tant de batailles, reprend à nouveau la route vers d'autres conquêtes. Alexandre Lebed était général, il sera député sans doute aux élections du 17 décembre prochain. Novotcherkassk, sa ville natale au sud de la Russie, est une ville industrielle comme tant d'autres en pleine crise économique. L'usine de locomotives tourne au ralenti, il n'y a plus d'argent, plus de commandes. Les ouvriers attendent encore leur salaire de juillet. Les réformes ici ont le goût des espoirs déçus. L'Union soviétique est morte en 1991. C'était un grand pays. Il avait beaucoup de défauts, mais c'était un grand pays. Maintenant, on nous dit qu'on n'est plus rien, qu'on est capable de rien. Avec mon salaire, je ne peux même pas acheter une paire de chaussures d'hiver. Je gagne 200 francs par mois, elles coûtent 240. On peut vivre comme ça? Non, on ne peut pas. Ça se voit qu'il est pour le peuple, qu'il a du cœur, qu'il peut vraiment faire quelque chose pour les gens. Sa popularité, Alexandre Lebed l'a conquise les armes à la main. Dans un pays qui se cherche, un pays en plein chaos, il est un héros qui rassure une partie de plus en plus grande de l'opinion publique. C'est le thème essentiel de sa campagne à travers des films de propagande comme celui-ci. Il prône un pouvoir fort, mais dit-il, pacifique. En juin dernier, le bouillant général finit par troquer l'uniforme pour un costume civil. Il quitte la Moldavie, où le Kremlin l'avait exilé, et rejoint un mouvement nationaliste, le Congrès des communautés russes, qui se veut modéré. Il a en politique la même assurance que sur un champ de bataille, les mêmes recettes aussi. Son programme tient en ces quelques mots. Nous, les Russes, on n'est pas plus bêtes, on est même plus intelligents que beaucoup d'autres. Alors, il faut arrêter de croire qu'on est idiot, ça suffit. Il faut que nous recommencions à vivre, à réfléchir, à créer, à oser. Si on commence à vivre comme ça, alors la Russie aura un avenir. C'est simple, mais ça marche. Son avenir personnel, même s'il n'ose encore le dire ouvertement, c'est bien sûr au Kremlin qu'Alexandre Lebed l'imagine. Et quand on le surprend un verre à la main, il se hâte de signaler qu'il ne contient que de l'eau. Chacun ici aura compris que c'est une fois encore pour affirmer sa différence. Le sport. Une semaine après sa première victoire aux États-Unis, le skieur français Luc Alphand remporte cet après-midi la descente de Val d'Isère. Claire Reynaud, Alain Poirier. Il est tout seul là-haut, mais il sait qu'en bas, ils sont des centaines à l'attendre. Il est détendu pourtant, confiant aussi. Parce qu'au fond de lui-même, il pense sûrement qu'il peut la gagner cette course. Alors il se lance à fond, sans complexe. Après tout, il est bien le meilleur descendeur du monde. Sa glisse est pure, son style puissant, sa vitesse impressionnante. À l'arrivée de la première manche, il est le seul coureur à descendre sous la barre des 1 minute 10, largement en tête donc. Là-haut, les entraîneurs sont soulagés. En bas, son père rigole. Lui, il est déjà remonté. Il sait que rien n'est encore joué. Il lui faut se reconcentrer et puis repartir. Il s'élance le dernier. La neige est dure, la visibilité réduite et c'est la faute.
Au dernier temps intermédiaire, il est deuxième, mais il n'est pas le meilleur pour rien. Alors dans un ultime effort, il va faire mentir le chrono en rattrapant mètre après mètre ses précieux centièmes de seconde. En bas, tout le monde retient son souffle et puis respire. Lui, il est déjà là-haut, sur son nuage. Il a gagné. Il s'appelle Luc Alphand. Il a 30 ans. C'est un très grand champion. Et il est en train de faire redécoller le ski français. Voilà, et nous retrouvons le héros du jour, Luc Alphand, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors ambiance chalet pour vous retrouver au soir de cette victoire à Val d'Isère. Une victoire facile aujourd'hui, je crois qu'il y a eu quelques petits soucis dans la deuxième manche, non? Non, bien sûr, une victoire n'est jamais vraiment facile. Aujourd'hui, ça a quand même été difficile. Et donc, la deuxième manche a été quand même disputée dans des conditions de visibilité qui n'étaient pas tellement évidentes. Et après, donc, ça joue toujours un peu à la chance. Donc voilà. Alors, il y avait quelques années, je crois que c'était en 68, la dernière victoire d'un Français dans la descente de Val d'Isère, c'était Henri Duvillard. Ça fait beaucoup de temps, ça fait un intervalle énorme, non, entre ces deux victoires. Oui, bien sûr, ça fait déjà assez longtemps, mais bon, quand Henri et puis les autres Français gagnaient, moi j'étais tout jeune, donc j'ai pas vraiment connu ces époques-là. C'est vrai que depuis tout le temps que je skie en équipe de France, on n'arrête pas de me rappeler que c'était les derniers à avoir gagné, donc je suis vraiment content de corriger ça et de remettre le nom d'un Français sur le palmarès de Val d'Isère. On a dit à la fin du reportage que c'était un début de saison qui allait faire peut-être redécoller le ski français qui n'était pas très bien en point, surtout du côté des hommes ces dernières années. Alors c'est vrai, il y a eu des résultats, on peut dire, en dents de scie, mais donc Franck Picard quand même a montré la voie en étant champion olympique en 88 déjà, et puis 92 en ayant une L'équipe est bonne, Luc. Est-ce que toute l'équipe est bonne? Parce qu'il y a des individualités, il y a vous, il y a Franck Picard, c'est vrai, mais vous n'êtes pas les plus jeunes de l'équipe, même si vous êtes au sommet de votre forme. Oui, c'est vrai, chez les filles, il y a eu Carole Merle, mais donc chez les spécialistes de slalom et de géant, il y a donc Sébastien Amier qui fait de très bons résultats en ce moment et qui va peut-être gagner une course cet hiver, enfin je l'espère pour lui. Et donc on n'a quand même pas un seul, mais deux, mais peut-être trois et quatre bons coureurs, donc j'espère que les résultats de l'équipe vont être dans l'hiver assez bons. Alors deux victoires en une semaine en Luc Alphand, qu'est-ce qui fait que Luc Alphand est en super forme cette année? Il y a un peu tout, il y a une crise de confiance, enfin non, une crise de confiance, je dirais. Non, mais tout va bien depuis l'année dernière. J'ai donc gagné la Coupe du Monde l'année dernière, ce qui m'a permis de m'entraîner dans de bonnes conditions, sur de bonnes bases. Et donc, puis maintenant, je suis beaucoup plus relâché, beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant en moi-même. C'est vrai que 30 ans, c'est le bel âge, Luc Alphand, pour un descendeur? Non, c'est vrai que l'expérience compte beaucoup en descente. Et je crois que c'est pratiquement même ce qui compte le plus. Et puis en plus, donc côté familial, maintenant je suis marié, papa, et donc tout va bien. Tout va bien. Bien, mais bravo encore Luc Alphand. C'est soirée fondue ce soir? Bravo. Merci à vous. Noël, idée de cadeau. Des jouets anciens, vous pouvez les voir et les acheter, si vous le voulez, jusqu'à demain soir à la Porte de Versailles à Paris. Reportage Valérie Astruc, Didier Ranqueur. Contempler, désirer, se laisser conquérir. Aller au salon des jouets de collection, c'est une affaire d'adulte, une affaire bien trop sérieuse pour les enfants. Ils chinent, ces adultes. Ils cherchent l'objet rare. Des charbons pour une locomotive ancienne. Une locomotive Jap. Des charbons? Oui, des charbons, c'est les balais. Les balais de collecteurs du moteur électrique. Oh non, ça va pas. Oh, justement, c'est ce qu'on était en train d'essayer. Ça va pas du tout. Oui, ça ne va pas du tout. Pourquoi? C'est pas ça, le coup d'œil. Le coup d'œil, vous ne l'avez pas. Parce que vous n'êtes pas collectionneuse. Vous avez raison, madame, ce salon est réservé aux initiés. 15 000 jouets pour les fanas de collection, pour des fadas sérieux, nostalgiques de leur enfance. Voilà. Si là, on voit qu'on l'a aimé aussi. Ma mère me l'a mal recousu. J'ai aimé cet objet, ça se voit. L'espace d'un week-end, les chineurs trouveront ici des objets rares mais quand même familiers. Camions, trains électriques, voitures, tout l'attirail pour jouer à la grève en modèle réduit. Cinéma, c'est le moment ou jamais de vous changer les idées en allant voir Le Bonheur est dans le Pré, le dernier film d'Étienne Chatillez avec Michel Serrault qui est notre invité, mais aussi Eddie Mitchell, Sabine Azéma. Au début, ça ne va pas beaucoup vous changer puisque ça commence par une grève. Pascal Deschamps, Christophe Vignal. Elles sont déchaînées, ces salopes. T'entends le raffut, elles veulent des garanties, alors ça, c'est la meilleure. Regarde trop la télé, ça leur donne des idées.
Ah oui, des grèves à la télé. Et en ces temps troublés, ils étaient plus d'un millier cet après-midi à avoir pris le chemin d'une salle de cinéma des Champs-Élysées qu'ils avaient réussi à atteindre. À pied. Je fais d'autostop juste avec des jeunes. À pied. C'est quoi ces chaussures, Pouillot ? Des Nike. Vous êtes bien là-dedans ? Comme dans des pantoufles, je ne les quitte plus. Pourquoi vous avez choisi ce film-là ? Pour voir Michel Serrault. On voit le bonheur. Il est dans le pré, bon, il est peut-être ici, quoi, donc ça. On va voir. Parce que moi j'aime bien les films qui se passent sur la campagne, des choses comme ça. Il y a même un film de Pruneau. Oui, t'as raison, oui. Il a du Pruneau bien prononcé, oui. Tiens, goûte à celui-ci. Comment vous avez trouvé le film ? Excellent, ça détend bien pour l'époque que nous vivons. Enfin, complètement heureuse. Ah oui, heureuse. Un très bon film. Ouais. Ah, je trouve ça très très bien. C'est complètement immoral et ça fait du bien, je trouve. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ri d'aussi bon cœur. C'était extra. C'est un bol de fraîcheur dans cette grisaille. Non, ta gueule, Pouillot. J'ai des clients qui dorment. D'ailleurs, c'est un peu folie quand même. Le bonheur est dans le frais, deux, s'il vous plaît. Bref, en ces temps troublés, il est une jeune femme à qui mille fois on a réclamé du bonheur aujourd'hui et qui mille fois en a vendu. Alors, monsieur ? Le film est super, vraiment bien. C'est vrai ? Ah, ça m'a vraiment, vraiment plu. Hein. Si vous pouviez dire un mot à Michel Serrault, là, vous lui diriez quoi ? Ah là, je te laisse parler. Profite. Profite, c'est le mot de la fin. Profite. Michel Serrault, vous répondez quoi ? Profite, ça veut dire quoi, à votre avis ? Ben, il a piqué la réplique, c'est mon copain Eddy qui me dit ça tout le temps, profite, profite. Parce que au début de l'histoire, au début du film, j'ai des malheurs, je suis pas tout ça, je suis un peu abattu par les circonstances, parce que je vis avec une femme qui est une femme charmante, qui a été charmante au début de notre rencontre, qui est Sabine Azéma. Et d'ailleurs, je dois le dire au passage, je voudrais remercier un peu le sort, parce que quand j'étais tout jeune acteur et que je voyais Sabine déjà tout petit, quand elle était tout au début, je disais, quel bonheur si un jour je pouvais jouer avec elle. C'est pas forcément très gentil pour elle. Non, bon. Non, vous savez qu'on plaisante avec ceux qu'on aime quand même. Hein. D'accord. Michel Serrault, le héros que vous incarnez, c'est un industriel qui a, vous le dites vous-même, des emmerdements par-dessus la tête. Oui. Hein, il est bien représentatif de notre époque. Oui, mais il faut dire aussi que, vous savez, les producteurs et les metteurs en scène sont des gens malins, et peut-être pas plus malins, mais enfin, je veux dire qu'ils seraient capables de faire de la politique. Et ils savaient qu'au moment de la sortie, il y aurait des circonstances pour nous tout à fait favorables. Parce que les Français sont extraordinaires, ils sont pleins de bon sens, sont capables de faire la grève, et alors j'apprends par les journaux et par tout le monde qu'ils sont capables d'aller très nombreux au cinéma en même temps, et ce qui plus est, au cinéma pour voir des films. Ouais. Français. Français. Alors ça, c'est formidable. Est-ce que ça vous épate, justement, on est en période de grève, c'est difficile de se rendre dans les cinémas. 25 000 entrées le premier jour, c'est un succès. Oh ben, je crois que c'est formidable. Moi, je ne suis pas un spécialiste des entrées, mais je crois que c'est très, très beau. Oui. Ouais. Alors, on ne va pas raconter l'histoire. C'est Michel Serrault, industriel, qui a un bon copain, Eddy Mitchell, qui sort de ses ennuis, hein, et puis il y a une histoire de jeu télévisé, etc. etc. Tout ça, c'est très compliqué. Vous aviez déjà joué avec Eddy Mitchell ? Ah, Eddy Mitchell, je crois que c'est la quatrième fois. Il y a très longtemps, quand on était tout gamin, hein, on a dû jouer dans un film de Boiron, et puis après ça, je l'ai retrouvé dans un film de Mocky, À mort l'arbitre. C'est sympa de jouer avec lui ? C'est magnifique. Ouais. J'adore. Vous savez que quand on vous propose un film, il y a évidemment l'histoire qui est importante. Ouais. On se décide sur l'histoire, sur le metteur en scène, puis on se dit, mais avec qui je vais jouer ? Et je dois dire que quand Chatillès m'a dit, on pense à Eddy Mitchell, c'était pour moi formidable, parce que je l'ai rencontré, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui est non seulement que j'aime beaucoup, mais j'insiste là-dessus, c'est quelqu'un qui a un talent d'acteur tout à fait extraordinaire. Alors, il y a une chose dans ce film, c'est que c'est pas toujours le cas dans les films français. Il y a beaucoup de très bons second rôles. Je parle pas d'Éric Cantona qui fait une apparition, oui. Des membres de la famille des chiens, etc. Il y a beaucoup de bons second rôles. C'est important, ça. Bah, c'est important. Je pense que c'est la première des choses. Je pense qu'un metteur en scène se distingue, si vous voulez, par la manière de distribuer son film. Ah. Il sait très bien que quelqu'un qui a quelques répliques à dire doit être aussi bien que l'acteur qui a le premier rôle. Je veux dire que les seconds rôles, et autrefois au cinéma français, on était gâtés car il y avait des seconds rôles qui étaient des grandes vedettes et des acteurs avec un énorme talent. Et c'est tout à fait indispensable pour jouer la comédie. Vous venez de tourner deux films complètement différents, celui-ci et puis le précédent, Nelly et Monsieur...
Un film de Sauteuil, Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud, vous aimez complètement changer, vous n'êtes pas reconnaissable dans les films. C'est possible. Mais vous savez, c'est un peu ce que je recherche, hein, parce que... Non, parce qu'il y a des acteurs, des vedettes comme vous, qui veulent jouer toujours le même rôle, quoi. Hein. Oui, oui, mais ça m'embête un peu. Vous savez, c'est un peu quand on met les pieds dans les mêmes pantoufles. Je veux dire que le métier d'acteur, c'est un métier de recherche et puis aussi d'aventure. Alors si vous jouez toujours le même rôle, c'est-à-dire que vous changez de casquette, si vous voulez, mais vous ne changez pas de personnage. Or, moi, ma définition, ce n'est pas celle-là. Ouais. C'est au contraire d'inventer... Ça dit, les rôles comme celui-ci d'industriel, mais peu importe le métier, un peu paumé comme ça, vous aimez bien, quoi. Oui, hein. Disons, ce sont des Français moyens. Des Français moyens, j'essaie de leur donner un peu d'humour, parce que je pense que le Français moyen, j'ai toujours trouvé que c'était une expression un peu péjorative, et que les gens moyens ont souvent plus d'humour que des gens qui ne sont pas moyens. C'est très dur de jouer dans un film comique par rapport à un film dramatique. Non, vous savez, ce qui guide un acteur, c'est la situation. Il ne faut pas forcer le rôle, il faut jouer la situation. Puis ma foi, non, c'est pas plus difficile. Il y a une différence, si vous voulez. C'est plus difficile, si vous m'avez posé la question, est-ce que c'est plus difficile de jouer des rôles comiques au théâtre ou au cinéma, je vous dirais que c'est plus difficile au cinéma parce que le public n'est pas là, directement partenaire. Là, c'est plus difficile. Mais autrement, sur le plan de la composition du rôle, c'est pas plus difficile. Oui. Michel Serrault, vous êtes branché, dernière chose, sur un autre film en ce moment ? Oh là là, je suis branché, oui. Mais d'abord, je vais m'occuper des grèves parce que je voudrais que ça reparte très vite, n'est-ce pas ? J'ai rendez-vous, je ne sais pas si je vais pouvoir... Y aller à cause de la grève ? Non, c'est pas ça, non, je vais pouvoir, comme tout le monde, je peux me déplacer, je ferai de l'autostop, de la bicyclette, à cheval, ou je ne sais pas, je pourrais me déplacer, mais je pense que si M. Juppé veut bien me recevoir, car je voudrais discuter de mon prochain film et des conditions de mon prochain film avec le Premier ministre. Ah, directement, oui. Directement, ça je l'ai dit et je le répète, tout ce qui est en dehors du Premier ministre, je pense que les conversations sont aujourd'hui... Oui, j'entends bien, oui. ...inutiles. Ça me rappelle un rôle que vous avez tenu dans un film dont je me souviens plus du nom, où vous jouiez un homme politique. C'est possible. Merci Michel Serrault. Je voudrais vous parler avant de nous quitter du Téléthon. Ça reprend tout de suite après le journal. On a dépassé la barre des 200 millions de dons, de promesses de dons ce soir, avec des initiatives originales comme le jeune prodige des échecs. Vous savez, Étienne Bacrot, qui ce soir à la mairie du 12e arrondissement de Paris se retrouve, vous le voyez, face à 140 adversaires sur un échiquier géant. Dans quelques instants, la météo d'Isabelle Martinet, puis la grande soirée du Téléthon, donc jusqu'à très tard dans la nuit, jusqu'à demain matin. Demain midi, Michel Cotta, dans Polémique, recevra notamment Nicole Notta, Franck Borotra, le ministre de l'Industrie et le socialiste François Hollande. Il n'y aura pas Michel Serrault. Je vous retrouverai, moi, pour l'édition de 13h. Très bonne soirée sur notre chaîne. À demain.